Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer notre série de vidéos sur les Umaibo. Donc c'est des espèces de gâteaux emballés généralement individuellement, vendus comme ça. Donc qui sont ces espèces de petits gâteaux soufflés. Mais il soufflait, ouais. Donc si tu veux nous dire ce que c'est au fur et à mesure. Yes, alors, celui-là, il est facile, il est écrit corn pottage. Donc, c'est la soupe de maïs. Voilà. Bah, ça, on va les tester au fur et à mesure. Hein. Ouais, ça Non, sent mais bien le non, mais maïs. Hein. laisse, on va les tester au Ouais. fur et à mesure. Mais il sent très très beaucoup le maïs. Tu le sens très fort. Même à l'odeur. À l'odeur, ça te rentre dans le nez. Ouais. Non, on Mais sent il pas est mal le bon, hein. maïs, hein. Le bon, il est un peu sucré-salé, je trouve. C'est pas mauvais. Ouais, moi j'aime bien celui-là. Dans la plupart des Umaibo, on a trouvé ils étaient pas mal, hein, en Mmh, goût. ouais, on n'en a eu aucun qui était pas bon. On n'a pas encore goûté le natto, c'est Bon, pour ça. on va voir les autres, mais bon. Tiens. Celui-là. Alors, c'est écrit salami. Donc, le salami. Vous avez vu, hein, je vous ai dit, l'image, en fait, elle correspond pas toujours au goût. Celui-là, il y a un robot chien sur le salami. Avec le Ouéramon. Ouéramon. Non, ils sont bien aussi. À l'odeur. Mais ça reste bien bien en goût le. Enfin en bouche le goût. Du salami? Ouais, mais quand tu le sens au nez, ça sent, hein? Ça sent déjà très fort. Ouais, il est pas mal. On va finir par faire que ça, manger des Umaibo. On va refaire la vidéo plusieurs fois. Surtout, on va arrêter tous les autres dégâchis. Non, ils seront déçus. Pierrick, il sera trop déçu. Il aime trop le sucre, mais comme c'est salé. Celui-là, teriyaki. C'est écrit. Même s'il y a un hamburger dessus. Hein. Ouais, il y a un petit singe aussi. Normal, j'ai envie de dire. Les sors pas complètement, sinon tu vas en mettre partout sur le lit. Non, je sais pas. Si, si. Mais non, c'est bon. C'est pas vrai. Ça sent le. C'est la poudre autour. Il sent la sauce. Au goût, ça sent pas. Tu sens le teriyaki, moi je le sens pas. Au nez, en fait, quand tu sens la poudre qui est autour du truc. C'est pour ça. En fait, c'est la sauce de teriyaki en poudre. Ouais. Au goût, tu le sens pas. Mais Non, au goût, tu le sens pas trop. Hein. au nez, si. Celui-là, c'est mentai. En fait, c'est du poisson mariné. Je sais plus si c'était du colin ou des trucs comme ça. Un poisson blanc, en tout cas. Il est tout rouge. Tout rouge ici. Comme le mentai, quoi. Le poisson mariné. On sent le poisson. Poisson en train de Tsukiji, marché au poisson, alors l'odeur qui revient, l'odeur de la mer là. Non, c'est bon, je trouve. Après, ça va être difficile de dire lequel on préfère. Ouais, ils se ressemblent. Enfin, je peux dire qu'ils se ressemblent, c'est pas vrai. Mais en termes de goût, enfin, ils se valent, hein. Il n'y en a pas un Ouais. qui a l'air dégueu, hein, pour le moment. Bon, bah, peut-être que t'as parlé trop vite. Voici le natto. Les haricots fermentés japonais. Ah, les fameux petits trucs là qui sont pas Tout, qui trop. font des fils et bah. C'est pas que c'est pas bon, mais il y a un arrière-goût de pourri. Je te jure,
Au départ, ça va, tu Ah, vois. ça pue. Oui, bah oui, ça pue. Ah, ça pue, c'est violent. Le natto, ça pue. Hein. Ça pique. Et il est tout collant. Nicole. Bah, le natto, ça colle. Ouais, bah, celui-là, moi, je finis pas. Tu en Voilà. finiras pas, il était pas terrible. Hein. Je te dis, ça a le goût du natto. Ouais, mais ça colle aussi. Ouais, le natto, ça colle. Genre la Tu sais, ça fait des texture en fils plus, un peu fromage, ouais. ouais. Oh. Bon, il est pas bon. C'est Il pas est vraiment terrible. pas. Yakitori, ça va peut-être nous sauver. Bien les yakitori. Oui, on sent. Soit avoir un truc genre barbecue d'être genre à l'hippopotamus en train de manger de la viande. Chez Tony et Mélon. Barbecue. Rendez-vous à la prochaine. Ça va, mais celui-là, je dirais pas qu'il est fou. Hein. Non, il est un peu trop sucré. Celui-là, Ebi et quelque chose d'autre. En gros, c'est aux crevettes. Ressemble aux chips aux crevettes. Les chips, non. Il y a l'impression de manger des crevettes roses. Genre pas cuites. Bah les crevettes roses, c'est qui? Ah non, mais je veux dire. Enfin, pas préparé, quoi. Ah, allô? Oui. D'accord. C'était le goût crevette de qui sort de la mer. Ouais, l'impression de les avoir pêchés. Gardez le meilleur pour la fin, enfin j'espère. Pizza! Pizza! Un Comme ça. petit goût d'Italie. Bah on attend de voir. Ouais, ça peut sentir la pizza, fromage, sauce tomate. Ça peut être pas mal. Comme les chips goût pizza là. Bon, le goût, c'est pas fou. On dirait un peu des chips au fromage. Avec un petit goût tomate. Ouais. Non, moi, au goût, j'aime pas trop. Tu peux y aller. Ça pique un peu en arrière-goût. Le fromage. Bon bah, le curry c'était bien. Tout c'était bien sauf lequel t'as pas aimé. Le natto. Surtout pas à essayer. Ouais, Hein. t'es pas terrible. Puis toi t'aimes pas la pizza. Si, j'aime bien les pizzas, mais là, c'est. Enfin, celui-là, j'aime pas trop. Bon, allez, on vous laisse à la prochaine. Salut, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et également sur notre site pour lire nos articles. Quant à nous, on va continuer notre voyage à travers le Japon et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.